Hey, salut, bienvenue dans mon camion! Ouais, ok, c'est éclaté au sol en fait. Dans les lumières. Ah. Et salut à tous! La vanne, elle est vachement longue hein, quand même. Hein. Salut à toutes et à tous, il est 16h. J'espère que vous allez tous très bien, les amis. Pour ma part, ça va nickel comme d'habitude. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, la vidéo du dimanche sur American Truck Simulator. Tout court. Il faut que j'arrête, hein. Dans ma tête c'est American Truck Simulator 2, mais non, ça n'existe pas, c'est American Truck Simulator tout court. Aujourd'hui, épisode 4, jour 4 si je dis pas de bêtises, avec un trajet incroyable aux petits oignons, et en plus de ça, avec cette cinématique, cette introduction que vous avez vue, pour vous expliquer, j'ai beaucoup roulé en off. Alors, quand je dis beaucoup, j'ai pas mal roulé en off. Je sais plus à combien on était sur la dernière vidéo, mais sachez que là, je suis à 100 000 $. On va peut-être bientôt pouvoir acheter un camion. J'ai même pas regardé combien ça coûte, donc on regardera ça à la fin de ce trajet. Je suis niveau 7. Je vous montre un petit peu ce que j'ai fait. Je sais plus où c'est qu'on s'en est quitté, donc dans le doute, je vous montre voilà tous les trajets que j'ai fait. Je préfère être transparent avec vous puisque je n'ai pas cheaté et je suis trop content. Voilà, je vous le dis, le soir, j'écoutais Énergie et je me faisais kiffer, quoi. Je me faisais kiffer. C'était juste que du bonheur. Aujourd'hui, alors oui, donc du coup c'était quoi cette introduction, cette cinématique pour vous expliquer. J'ai roulé et je suis tombé sur cette route magnifique. Et en fait je me suis renseigné sur ce lieu, il s'agit du mont Rainier. Le mont Rainier c'est un stratovolcan, donc un volcan explosif actif. C'est très très beau, c'est très prisé par les touristes. Mais le problème c'est qu'il y a des gens qui vont peut-être mourir. Voilà, c'est un petit peu moins drôle, c'est ultra dangereux. J'ai vu que, alors c'est un parc national du coup, parc national du mont Rainier. Il y a 1,5 million d'habitants qui habitent aux alentours. Et donc qui sont exposés aux dangers. Évidemment, c'est dans l'état de Washington et c'est à 90 km de Seattle. Je vous montre sur la carte du monde un petit peu les routes que j'ai faites. Alors, le trajet en bleu, c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Les trajets en vert, c'est ce que j'ai fait. Alors, j'avais l'occasion d'aller partout où je voulais, mais c'était pas le but. Je voulais pas trop me spoil, donc je suis pas parti loin. J'ai refait les mêmes trajets souvent. Bon, j'ai découvert par exemple Colville, tu vois, j'ai découvert des petites villes, etc. Mais je vous montre un petit peu ce que j'ai fait. Bref, c'était plutôt sympa. Là, les amis, on va partir pour un petit trajet. On va partir de Grand Couli. Donc, Grand Couli, c'est là qu'il y a le barrage qu'on avait vu de nuit. Donc, on n'avait rien vu, mais un très beau barrage, très connu pour ça. Et on va aller au Canada grâce au Promode. On va aller à Princeton, à ne pas confondre avec... Je me suis renseigné, Princeton c'est aussi une ville à côté de New York, donc rien à voir, là c'est bel et bien au Canada, c'est d'ailleurs en Colombie-Britannique, la province la plus occidentale du Canada. J'ai fait mes recherches les gars, donc voilà notre trajet du jour, ça risque d'être fort sympathique, on va surtout gagner beaucoup d'argent parce qu'on transporte de la dynamite. Paf ! Attention tout de même. Ça explose tout de même, voilà, donc on transporte de la dynamite, nous sommes dans ce magnifique Freightliner. Alors j'ai bien fait chauffer le moteur, hein. Là je vous le dis, je l'ai bien fait chauffer. Je regarde un petit peu le tableau de bord, est-ce qu'il y a des choses qui pourraient m'intéresser? Absolument pas. Eh bien écoutez les amis, je n'ai qu'une chose à dire, nous sommes parta. Voilà, nous sommes parta. J'espère que vous allez bien, n'oubliez pas le petit pouce bleu des familles pour m'encourager. Là je suis au taquet, salut collègue. Cinquième fois qu'on se voit là depuis ces derniers jours. J'arrête pas de transporter par ici. Donc voilà, c'est un plaisir. J'ai trouvé mon camion de coup de cœur. Voilà, j'ai trouvé mon camion de coup de cœur et je suis trop content parce que... Alors vous allez probablement deviner duquel je veux parler, pour la simple et bonne raison que je vais vous dire que vous êtes très nombreux à apprécier cette marque. Je suis tombé sous le charme en roulant en off. J'ai roulé avec un... le GK là. Le GK, non, le KW, c'est le Kenworth. Voilà, les gars, je suis tombé amoureux. Alors, je ne sais pas quel modèle en particulier, mais j'ai trop kiffé rouler avec un Kenworth en off. Non seulement le frein moteur, le frein additionnel, il fonctionnait de ouf. Le bruit était juste incroyable. Là, faut que j'attende juste que les voitures à droite passent parce que moi, il faut que je prenne large. Hein. Donc, ça va être un petit peu embêtant avec cette double remorque. J'aurais dû aller un peu plus à gauche. Attendez. Je vais déjà m'insérer pour bloquer là-bas. On va se débrouiller, hein. On va se débrouiller, vous inquiétez pas. Ça commence bien ce trajet. Non mais... Ah mais le problème c'est qu'ils ralentissent tous du coup. Oh... Ah oui, non mais là on n'est pas sorti de l'auberge. Bon, écoutez, je vous explique. J'ai beaucoup roulé en off, du coup j'ai quand même pas mal de petites techniques maintenant. Mais avec l'intelligence artificielle, mais des fois c'est pas gagné. Donc là il faut que tu restes là-bas. Voilà, donc là je vais pouvoir sortir sans trop de problèmes. Merci à toi monsieur. Madame, excuse-moi. T'avais une tête de mec. Et du coup... On est parti. Du coup, ouais, je suis tombé sous le charme du Kenworth et donc je me suis renseigné et vous m'avez dit en commentaire aussi, et vous êtes très nombreux à apprécier cette marque et notamment le modèle W900 qui est le même modèle, le même camion, et vous l'avez dit en commentaire et j'ai cherché sur internet
C'est pas sorcier, Fred et Jamie, je trouve ça trop stylé. Donc les gars, je vous le dis, le premier camion qu'on achètera, ce sera un Kenworth. On a déjà débloqué des garages Kenworth, donc on pourra acheter Kenworth, ça c'est formidable. Est-ce qu'on peut acheter tout de suite le modèle W900, je ne sais pas. On se renseignera à la fin de cette livraison, les gars. On va aller regarder combien ça coûte. Avec mon niveau, qu'est-ce que j'ai débloqué? À mon avis, pas grand-chose. Mais on va voir. Et ce serait juste stylé si on pouvait déjà acheter. Je ne pense pas. On fera probablement un prêt à la banque. Et franchement, ça va être trop bien. En fait, je pense que dans cet épisode, on va acheter notre premier camion. Ça va être une dinguerie. Ça va être juste trop, trop bien. J'ai trop, trop hâte. Je suis amoureux de ce Kenworth, je vous le dis. Autant, alors le Freightliner, ouais, c'est bien, c'est sympa, ça fait un peu moderne. Les autres marques classiques, je sais plus c'est lesquelles. Enfin, quand je dis classique, les marques qu'on a beaucoup roulé jusqu'à présent, en tout cas. Bref, donc voilà. J'ai acheté de nouveaux DLC, les amis, aussi. Merci Eneba, Eneba Kihalas. J'en ai eu pour 2€ hein, avec ces deux DLC. À savoir le DLC spécial transport. Excuse-moi. Hein. Amazon, je suis désolé, mais moi, Amazon, j'en ai rien à péter. Je rigole, c'est faux. En plus, je commande beaucoup chez Amazon, c'est pas bien. Bon, on n'est pas là pour parler de ça. Ouais, donc le DLC spécial transport. Donc pour les convois exceptionnels, les vrais convois exceptionnels, on va se faire kiffer, voilà. Et le DLC Wheel Tuning Pack. Je suis un pigeon, mais heureusement c'est quoi? C'est 80 centimes sur Eneba. Et puis je crois que ça doit coûter 2€ sur Steam indirectement. Et donc c'est pour customiser les pneus. Voilà, c'est juste c'est tout. J'ai vu ça sur Eneba, j'ai fait bah vas-y, tu sais quoi, si déjà je prends le DLC pour les convois exceptionnels, autant se faire plaisir, tu vois, on n'est pas à 80 centimes près. Donc voilà, je rajouterai les liens en description, les gars, les liens affiliés sur Eneba, n'hésitez pas à y passer parce que clairement ça fait extrêmement plaisir. Et voilà, enfin les gars, vous en avez pour. Vous avez vu tous les DLC que j'ai? J'ai pas tous les DLC du jeu, mais avec tout ce que j'ai acheté sur Eneba, j'en ai eu pour 20€ maximum, enfin 25€ maximum, quelque chose comme ça. Donc ça, c'est juste relativement incroyable. Et je vous remercie aussi vraiment pour vos commentaires sur les introductions, etc. Je vais vous proposer tout au long de la vidéo des différentes cinématiques également que j'ai pu récupérer en jeu. En gros, vous savez, en roulant off, je suis tombé sur d'autres points d'intérêt. Mais le problème, c'est que ces points d'intérêt, j'y réfléchis, on va pas forcément y repasser en vidéo, quoi. Parce que c'est des routes qu'on a déjà prises. Donc du coup, je les ai enregistrées avec OBS. Et je vais vous les passer. Donc là, par exemple, cette cinématique-là, bah justement, c'est le garage Kenworth que j'ai... la concession, je sais pas ce que c'est, en fait, j'ai oublié. Mais vous le voyez à l'image actuellement. C'est tout simplement bah, là que j'ai débloqué le garage Kenworth. Et donc, ils ont fait toute une cinématique là-dessus, très sympa. L'autre cinématique que je vous propose, c'est le pont de Vantage. En anglais, on dit Vantage Bridge. Et c'est un pont en arc qui franchit le fleuve Columbia. Ben justement, à côté de Vantage. Vantage, qui est un petit peu une ville dans l'état de Washington. Voilà, très sympa. C'est plutôt cool. Voilà, je vous montre ces cinématiques, puisque là, de toute façon, ce qu'on est en train de faire sur la route actuellement, on a déjà vu. Je sais pas si on a déjà vu ça en vidéo. Bon, je vous remontre en toute façon, bonjour. Mais en tout cas voilà, on est plutôt pas mal. Et puis là, on va découvrir de nouvelles routes. Direction le Canada. What you gonna do in the Canada? Bon bref, faut que j'arrête de traîner sur TikTok moi. Évidemment, mon petit café, on va le boire pendant qu'il est chaud. Quel bonheur. Vous avez vu, j'ai tout bien réglé, la casquette, le micro. Comme ça, y'a rien qui tape, y'a rien qui me dérange. Je peux tout faire. Et en plus, normalement, si je dis pas trop de conneries, vous m'entendez pas trop souffler du nez. J'ai bien réglé le micro, je suis vraiment boss. Je suis vraiment mais un professionnel de l'audiovisuel, quoi. Là, il y a des mecs qui vont dire, oh, il a pris la confiance et tout, c'est une blague. Hein. Magnifique, speed limit 60, on a le compteur, on est à 56, on est pas mal. On transporte de la dynamite, hein, ne l'oublions pas, donc à tout moment, ça fait... On va éviter de faire des accidents, ce serait plutôt sympa. Bon, et puis voilà, j'ai aussi ajouté un autre mode qui va nous porter préjudice. Un mode du Steamwork que je rajouterai également dans la description. Alors ça s'appelle pas No Barrier. No Barrier. Ça s'appelle pas No Barrier, mais c'est en gros ça enlève les barrières et ça permet de les traverser. Sur Euro Truck Simulator 2, sur le Steamwork Club, c'est un peu plus facile. Là en l'occurrence, c'est un peu moins facile, donc je mettrai le lien en description. Comme dit, le mode ne s'appelle pas No Barrier, mais dans l'idée c'est ça. Mais je mettrai en description, ça s'appelle un truc, je sais plus quoi. Je sais plus comment ça s'appelle, ça a un nom complètement différent de ce que j'imagine. Mais en tout cas voilà, ça permet donc. Et ça va nous porter préjudice parce que ça m'a déjà porté préjudice en off quand tu roules et que bah, le GPS, tu vois, il ressemble à pas grand chose. Et il te dit bah, d'aller là, machin. Et t'as plusieurs voies. Et bah, le problème c'est que bah, tu sais pas où aller, quoi. Alors que quand t'as les barrières qui te disent bah tu peux pas aller plus loin, bah tu comprends, quoi. Voilà. Donc ça va nous porter préjudice, faudra juste faire un petit peu plus attention. Mais c'est pas.
C'est pas la mort. Très sympa en tout cas. Et franchement ça va être cool parce que pour les prochains épisodes, alors on aura notre nouveau camion, notre premier camion surtout, on pourra rouler avec. Mais aussi on va pouvoir enfin se barrer d'ici parce que ça fait quand même donc 4 épisodes, hein, ce qui n'est pas grand chose évidemment, mais qu'on est dans Washington. On a commencé à Washington, Seattle, etc. Donc là on va un peu quitter Washington. J'ai pas trop envie qu'on se focus sur le Canada. Alors là c'est la première mission la plus rentable que j'ai trouvée, que je me suis dit bah vas-y, oh, hey, dynamite, Canada, autant se faire plaisir. Pour le coup voilà, on va plutôt descendre vers le nord. Voilà, le Nouveau-Mexique, vous avez compris, hein, tout ce qui est Nouveau-Mexique, c'est quelque chose qui m'excite plutôt pas mal en ce moment. Donc j'ai trop hâte d'y aller quoi. Hein. Ceux qui me suivent sur Instagram, etc., vous le savez, bon je l'ai dit en vidéo il me semble, mais en ce moment j'écoute beaucoup de musique cubaine. Alors Nouveau-Mexique, Cuba, c'est pas très loin. Enfin, c'est pas très loin. Nouveau-Mexique, Mexique, Mexique, Cuba. Tu vois ce que tu m'as compris ? Bon, voilà, donc à partir de là, on se comprend. Mais donc voilà, j'adore cette ambiance, cet environnement. Et voilà, enfin, le jour où je pourrais y aller. Je vous le dis, en plus, hier soir, je vais être très honnête avec vous. Hier soir, j'ai regardé, je suis dégoûté. Moi, ça me rend fou entre le gasoil qui coûte ultra cher. Attendez, là, je pars dans tous les sens, mais c'est vrai, juste la vidéo de Florian Truck, dernière vidéo de Florian Truck, n'hésitez pas à aller la voir, même si je pense que vous êtes très nombreux à l'avoir vue. N'hésitez pas à partager sa putain de vidéo de Florian Truck, donc, qui parle donc évidemment des prix de l'essence, etc. Et donc des blocages qui vont avoir lieu, je sais pas quand. Au moment où la vidéo sortira, je pense que ce sera déjà fait, je sais plus. En tout cas, voilà, les blocages. Frère, putain, les routiers, moi, ça me termine. Quoi. Ça, c'est vrai, en plus il a raison dans la vidéo, il le dit, avec le prix de l'essence qui augmente et tout, enfin du diesel qui augmente. Bah en fait ça va être aussi le prix de la consommation qui va augmenter. J'y ai même pas pensé, tu vois. Moi ça me suffit déjà hein, de voir le diesel qui augmente, même juste pour ma vie perso, tu vois, ou ma vie pro, c'est déjà compliqué. Mais c'est vrai qu'on n'y pense pas, comme il le dit, le caddie de la ménagère, ou je sais plus comment il a appelé ça. Mais concrètement il a raison quoi. C'est-à-dire que ben, quand tu vas acheter en magasin, ça va être encore 1000 fois plus cher ce que tu vas acheter. Ça n'a aucun sens parce que ça va être un cercle vicieux quoi. Et ce qu'il dit pas et... Allô ? Allô ? Allô ? C'est bon ? Excusez-moi. Non, d'accord. Ah, ok. Non, j'ai parlé du gouvernement. J'allais parler du gouvernement, donc là, je pense que le PC, il est en train de prévenir le FBI qu'il se passe quelque chose, c'est ça ? On est bon ? On est bon. Le gouvernement est sympa. Le gouvernement est sympa. Magnifique. Le gouvernement nous prend pour des cons. En fait, ce que je voulais dire, c'est que, enfin bon, la petite parenthèse encore avant de parce qu'à la base on parlait du Mexicain. Hein. Mais juste pour vous dire un truc, le gouvernement est sympa. Le gouvernement est sympa. Macron 69. Ça y est, on est reparti. Bon, du coup, je vais plus parler de ça parce que visiblement, je suis sous écoute, je suis sous surveillance. Mais la guerre en Ukraine n'a aucun rapport avec le prix de l'essence. Et du coup, ce que je voulais dire, je voulais dire un truc, ça me rend fou. Donc du coup, enfin moi, j'aimerais vraiment beaucoup voyager. Je gagne pas énormément d'argent avec toutes mes activités que je fais. Et même si je gagnais beaucoup d'argent, faire des voyages, ça coûte cher. Et j'ai regardé, et en fait, ça me rend fou parce que tu vois, moi en Alsace, on a la chance en Alsace d'avoir des, je sais pas comment ça se passe ailleurs, mais en Alsace, on a beaucoup d'avantages que dans d'autres régions, on n'a probablement pas. Notamment dans tout ce qui est transport, transport en commun, etc. Et tu peux aller d'un pays à l'autre. Tu peux aller d'un village ou d'une ville à l'autre sans voiture, je parle en train, à des prix mais tellement dérisoires, tu vois. Je vous dirai pas où j'habite, moi j'habite pas loin de Strasbourg, mais je peux faire d'un point A à un point B si je prends le train, j'en ai pour 10 balles aller-retour la journée. Je pense que dans d'autres villes ça doit être pareil, dans d'autres régions j'en ai aucune idée. Là où si je veux faire par exemple Strasbourg-Paris, en train j'en ai pour... presque 100 euros, je vais peut-être exagérer mais quelque chose comme ça, c'est Paris hein, je comprends tu vois, 100 euros, mais l'aller, pas l'aller-retour hein. En fait ce que je veux dire c'est que quand je veux aller, si je veux aller au bord de mer pour un week-end, que j'y aille en voiture ou en train, j'en ai pour 200 euros aller-retour, c'est fou hein. Voilà, et en fait du coup j'ai regardé un vol Paris-New York, je me suis dit tu sais, pour voir un peu, parce que je me dis est-ce que ça revient pas moins cher d'aller à l'étranger. Bon, en fin de compte, voilà, j'ai vu je sais plus combien, mais j'ai vu flou, j'ai failli vomir dans mon lit. Hein. Oh, regardez l'avion qui vole. L'avion. Bon, allez, vous connaissez la chanson. Bref, et du coup, en fait, ça me rend fou parce que je crois que. Enfin, voilà, là, j'ai l'impression que je pourrais jamais voyager là où je veux vraiment aller, même si je m'en donne vraiment les moyens, parce que vu les prix et vu tout ce qui se passe, même, voilà, sans penser à l'actualité, mais c'est vrai que. Voilà, et moi j'aimerais beaucoup, quand tu vois les TikTok et tout des gens qui sont à New York en voyage ou quoi. Et donc là je vous parlais du Mexique, moi j'aimerais tellement aller à Cuba une fois. Frère Cuba, oh, tu te fais voler hein.
c'est du vol. Non, non, mais bon, bref, tout ça pour dire que ça m'excite là-bas et que j'aimerais trop y aller et j'aimerais trop faire des voyages en règle générale, voilà. Et à cause de ça, on a parlé du gouvernement et donc le jeu a eu des bugs. C'est fou quand même, hein. Faites attention à ce que vous dites, vous êtes surveillés, vous êtes à l'écoute. Non mais vous avez vu, alors soit c'était le FBI, mais je pense que c'était plutôt parce que forcément, hein, vous savez, moi je dis, on dit toujours le FBI par abus de langage, mais là c'est plutôt la DGSI. C'est la DGSI qui m'a écouté. Parce que voilà, donc je vais faire gaffe à ce que je dis parce qu'à tous les coups il y a le KGB pas loin. Hein ? À un moment donné, Poutine de merde quoi, tu vois ce que je veux dire ? Donc on va se détendre. Là on va tout simplement chiller un max. Là on a une petite caserne, pas du tout. J'allais dire une caserne d'ambulance, mais c'est absolument faux, ça n'avait aucun rapport. On est dans une petite zone industrielle et là on découvre la route. Nous arrivons à Omak. Omak, donc pour tous les Apple addicts évidemment, vous connaissez quoi. Hein. Il y en a qui tournent au Windows et il y en a qui tournent au Mac. Bon allez, merci à tous. Bientôt en stand-up. Ouah, ça freine. Enfin ça freine, non, ça s'arrête tout court. Eh. Je suis explosif aujourd'hui, hein. Vous l'avez vu, je suis explosif, c'est normal, on transporte. Bien vu. Ah, quel bonheur. Quel bonheur, quel bonheur. Bon, en tout cas, voilà. J'ai repris la casquette. Ah oui, alors, attendez, parce qu'on en a pas parlé. Bon, c'est normal, je vais pas non plus m'énerver sur tout le monde à chaque fois. J'ai dû prendre... Oh, des donuts. J'ai dû prendre la casquette de nouveau. N'achetez pas de track hier. Voilà, je vous le dis, ça commence à me péter les bonbons, ça aussi, hein. Sans déconner, un track hier, j'ai vendu le track hier depuis des années, enfin depuis que je l'ai, donc depuis des années. Frère, ça fait un an que je l'ai, un peu plus d'un an que je l'ai. Mais voilà, j'ai toujours bien aimé, parce que c'est ultra cool. Mais alors là, ça m'a saoulé, hein. Je vous le dis, là, le petit machin sur le, que tu glisses sur le casque, là, il m'a énervé. Hein. Pendant un quart d'heure, j'en pouvais plus. C'était pire que le... C'était comme la VR, tu sais, ça m'énerve. La réalité virtuelle, quand ça fonctionne pas, bah là, c'est pareil. Ça, donc j'ai repris la casquette, puisque au moins, t'es sûr que ça fonctionne. Je vais pas rentrer dans les détails, mais ça m'a cassé les roubignoles. Hein. Alors voilà, quand t'as envie de rouler et de jouer pour t'amuser, et que tu te prends la tête pendant un quart d'heure avant, tu te dis ouais non, non, on va se détendre quoi. Hein. On va se détendre. Par contre c'est vrai, et je suis content parce que c'est vraiment devenu une addiction, comme à l'époque, de rouler, rouler, rouler sur American Truck. Je vous jure, le soir, pas que le soir, ça dépend, et pas tous les soirs non plus, mais... Voilà, il y a des fois je me fais des sessions, frère, pendant deux heures je roule tranquille sur American Truck et voilà, je me fais ma petite tunasse et sur le jeu bien sûr. Et c'est un plaisir que je n'avais plus sur Euro Truck parce que je n'avais plus d'intérêt tout simplement. Et là de nouveau j'ai l'intérêt puisque bah, le but c'est d'avancer sur cette aventure. Donc c'est vraiment trop cool, même si j'ai dû me limiter, hein, vous le savez, pour ne pas aller trop loin, ne pas trop découvrir. Je voulais vraiment rester à Washington, enfin dans Washington. Dans Washington ? Oui, c'est ça, Washington. Oui, c'est ça. Oh, il y a le train qui passe. Et moi aussi, je peux faire, hein. Attends, ouvrir la fenêtre. Ah bah, il fait plus de bruit. Il est passé, le train. Il n'y a plus de train. Caution. Wide right turns. Est-ce qu'ils avaient ça avant nous ? Ou... En même temps que nous là, la norme européenne avec les angles morts en France par exemple. Oui, c'est pas une norme européenne, c'est une norme française, j'ai rien dit. Je sais plus. Je dis des conneries. Et moi j'ai tellement lâché le monde routier un petit peu, je sais plus trop ce que je dis. mais ce qui est sûr c'est que... Oh, j'avais une question à vous poser avant que j'oublie. Et je pense qu'on aura l'occasion de rencontrer ça. J'ai une question là pour tous les Américains ou tous ceux qui s'y connaissent de ouf. Attendez. Par rapport au pesé. Au peser, vous savez, tu roules et puis au bout d'un moment ça fait bip bip bip. Venez vous mettre sur la pesée là, sur la côté. J'ai plus parlé. Vous mettre sur le côté. Là, on va avoir ça durant le trajet, il me semble. Et en gros, tu dois t'arrêter. Et des fois, t'as pas besoin de t'arrêter. T'as le voyant qui est au vert. Et il te dit c'est bon, vous pouvez contourner là le pass machin. Bonne route, tu vois. Ma question c'est de savoir. Moi aussi je peux faire, hein.
Les gars, je vais avoir 22 ans. Et sinon, qu'est-ce que je voulais dire? Ouais, comment ça marche? Est-ce que dans la vraie vie, c'est pareil? Comment ça marche? Alors là, sur le camion, il n'y a pas... Si, il y est, regardez là. Voilà, le W passe. C'est quoi, ce truc? Est-ce que ça existe dans la vraie vie? J'imagine que oui. Pourquoi que aux États-Unis, pas en France? Comment ça marche? Est-ce qu'on est détecté? Il y a un truc Wi-Fi, Bluetooth, 5G? Est-ce qu'il y a un truc comme ça? Oh, c'est beau! On va faire la miniature. Voilà. Dynamite, oh! Dynamite, oh! Vous connaissez si Sean Paul, Dynamite? Bref, ouais, du coup, comment ça marche dans la vraie vie? Dites-moi en commentaire. En gros, voilà, est-ce qu'on est détecté comme ça dans la vraie vie? Est-ce que du coup le voyant devient rouge quand il faut s'arrêter pour peser? Est-ce que le voyant passe au vert quand il n'y a pas besoin? Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, n'hésitez pas à me... Enfin, je pense que oui, vous voyez ce que je veux dire, je suis con, parce qu'à mon avis, vous savez plus que moi. Donc voilà, dites-moi en commentaire tout ça, parce que ça m'intéresse, j'aimerais vraiment savoir. Et je pense que c'est une des dernières questions, finalement, que j'ai par rapport à ce qu'on fait sur American Truck actuellement. Parce que sinon, tout le reste, je maîtrise. Et c'est un vrai plaisir, par exemple, de pouvoir tourner à droite au feu rouge. Ça, c'est incroyable. Alors, je sais que dans tous les états, c'est pas comme ça. Mais dans la plupart des endroits aux États-Unis, c'est comme ça. Et c'est incroyable, parce qu'en vrai, on... Par rapport à Eurotruck, je trouve qu'on se fait moins chier. En fait, dans tous les sens du terme, sur American Truck, dorénavant, je trouve qu'on se fait beaucoup moins chier que sur Eurotruck. Regardez-moi, c'est... Eh, hein, ça prend exemple sur la France, hein. Ouais, et du coup, je disais... Ouais, putain, j'aurais pu être en excès de vitesse, hein, s'il n'y avait pas le camion devant. Hein, donc, j'aurais pu me prendre une amende. Ça y est, frontière canadienne. Bah, attendez, je vais refaire la miniature, parce que la miniature, on va la faire là. Magnifique. N'hésitez pas à me contacter si vous voulez des miniatures qualitatives. Je vous donne mon 07. Ok, du coup, je sais plus tout ce qu'on disait. On disait beaucoup de choses. Ah, bah qu'on se fait beaucoup moins chier sur American Truck que sur Euro Truck, dans tous les sens du terme. Évidemment, je trouve qu'il y a donc ce côté, évidemment, dépaysement quand t'as tous les DLC, tous les mods. T'es dépaysé. Tu te fais un peu plus plaisir parce que t'as moins l'impression d'être comme dans ta vraie vie, finalement. Parce que du coup, ben, c'est pas en France. Et t'as ce côté, en effet, bah, t'as les règles qui changent. Et donc, bah, par exemple, au feu rouge, t'es pas forcément obligé d'attendre pendant 30 ans. Notamment quand tu tournes à droite. Et ça, c'est génial. Plein de choses comme ça qui font que... America! Voilà, quoi. Et ça klaxonne derrière. Eh, frère, tu sais que je peux pas aller plus vite. Oh, connard! Excusez-moi, hein. Ne prenez pas cet extrait. Hop. Bienvenue au Canada. Allô? Ah, vérification de vos documents. Pardon, j'avais pas vu qu'il y avait quelqu'un qui me... Bonjour. Bonjour. Merci. Merci, merci. Je suis en règle, hein. J'ai pas de... J'ai que de la dynamite, en fin de compte. Il faut que j'aille où, là? Oh la vache à la gigine. Faut que j'aille là. Qu'est-ce que c'est que ce merdier? Bon, on va monter sur les trottoirs, tout naturellement. Il y a la police. Il y a la police de partout. Hein. Il y a la police de partout. CBSA. C'est la police du Conodo. Tobarnak. Colis. Est-ce que ça fait du bien? Et gros big up à tous les Canadiens. Tous les Canadiens, Québécois, francophones là, qui sont là, s'il y en a. Gros big up à vous. Pardonnez-moi pour mon accent catastrophique. Hein. En général, quand j'essaye d'imiter un accent, j'imite un imitateur. Donc c'est un truc qui ressemble à rien, quoi. Alors là, on passe à côté de Ozoyos. Ah là là, ça y est. C'est comme ça qu'on m'accueille au Canada, quoi. Hein. C'est comme ça qu'on m'accueille, hein. J'y crois pas, quoi. Hein. Bon, bah c'est parti pour la découverte. Là, c'est un plaisir. C'est un plaisir, je ne connais pas du tout. Même dans la vraie vie. Si, je me suis baladé sur Google Street View VR avec Arthur, une fois, au Canada. J'ai à peu près vu à quoi ça ressemblait... Mais une partie, quoi. Bah d'ailleurs, c'était la partie est, si j'ai pas de bêtises. On est sur la partie ouest. Voilà. Il faut que... Je vais rester au milieu, parce que je sais pas trop où aller. Donc je vais rester au milieu, voilà. Je pense que c'est le meilleur truc à faire. Et j'ai bien fait, parce que ça va se resserrer là-bas. Très sympa, hein, dis donc. Très sympa. 80 km heure. C'est en km heure au Canada. Oh, c'est des boss. Vous êtes des boss, les Canadiens. Sauf que le problème, c'est que moi, je suis en miles par heure, donc je vais quand même pas comprendre. Ah bah si, vu que sur GPS, c'est resté en miles par heure, mais... Ah, 80 km/h, ça équivaut à 50 miles par heure, alors c'est ça?
Je suis en train de dire une grosse connerie à mon avis. Bref, en tout cas, voilà, c'est plutôt sympa. Ah, c'est marrant parce que j'avais fait mes petites recherches sur internet pour essayer voilà, d'avoir des trucs à vous dire, pour savoir aussi pour moi-même. Je fais un petit peu comme L7C Fox maintenant, je me renseigne un peu sur le trajet et tout, parce que c'est toujours intéressant de savoir ce qu'on fait quoi, plutôt que rouler juste dans le vide. Et en fait, ce que je vous disais en début de vidéo, donc là on va à Princeton. Et au début j'avais tapé Princeton sur internet, je voyais université de Princeton, j'étais en mode ah sympa, c'est un endroit connu avec université machin. Et heureusement que j'ai creusé parce que c'est faux. Princeton, ce que je trouvais sur internet, c'était justement à côté de New York aux États-Unis. Et j'ai fait ah oui non, c'est pas le même Princeton. Alors du coup je tape sur internet Princeton Québec, grosse connerie à faire. Du coup il me fait le trajet entre Princeton à côté de New York et Québec juste au dessus, la capitale Québec. Ah voilà. Oh je suis pas, attends il faut que j'aille quand même là. Je suis pas obligé de m'arrêter parce qu'il faut que je fasse demi-tour, mais je suis pas obligé de m'arrêter, vous voyez. Là il me dit poste de pesée, le voyant il est au vert. Donc dites moi en commentaire comment ça marche dans la vraie vie. Est-ce que je suis détecté aussi ou quoi. Donc là c'est pour faire demi-tour hein, que je vais ici. J'avais pas besoin de faire de pesée hein. Oui donc et donc après j'ai enfin compris mon erreur. Et donc j'ai tapé Princeton Canada. Et comme il n'y a pas de ville qui s'appelle Canada, il a compris tout de suite. Et c'est là que je me suis rendu compte en effet que c'était pas au même endroit. Voilà tout simplement. Alors là ça va être très chiant. Oh ça c'est gentil. Oh ça c'est gentil. Oh là là les Canadiens. Merci, cœur sur vous les Canadiens. Merci. Merci beaucoup. Hop. Merci. Pringles en plus. J'adore les chips. Merci beaucoup. Avec les petits sapins. Évidemment les petits sapins. Voilà, j'avais rien de plus à dire sur les sapins. En tout cas nous sommes bientôt arrivés. Et je dis ça, c'est pas vrai du tout. Si Princeton, je le vois sur le GPS. Il fallait me prendre le panneau. On se concentre, messieurs, dames. Et là, sur 10 km, on a une double voie. Et ça, c'est cool. Des virages nous attendent. Des montées aussi, du coup, j'imagine. Des montées, je parle bien des montées. Et non pas démontées. Non pas les gâteaux démontés, d'ailleurs. Pareil, les petits biscuits, là. Hein, ceux qui ont vu Fatal, le film, on se sait. En parlant de Fatal, bienvenue dans les montagnes. Toulidalida. Dernier point à aborder par rapport à la dernière vidéo en commentaire, par rapport à la nuit. Merci pour vos retours, ça me fait très plaisir. Alors, dorénavant, on roulera que de jour. J'ai trouvé une technique. J'ai la strat. Avant de commencer quelconque mission, alors, dans tous les cas, la question va plus se poser dans quelques temps parce que je vais avoir mon propre camion. Donc avec mon propre camion, d'ailleurs il y en a un qui m'a dit en commentaire, merci à toi, vraiment. Si on fait des contrats externes, il n'y a pas d'histoire de temps. Parce que le problème c'est que voilà, c'est que si maintenant, là il commence à faire nuit, vous voyez par exemple là il me reste 5h32 avant que la mission soit en retard. Si maintenant je tape une commande pour mettre le jour, il va me passer au jour suivant et donc je vais perdre du temps et donc il me restera 0h et je vais être en retard. Alors que c'est pas vrai. Là où les contrats externes, le temps est réel, c'est du vrai temps. De la vraie vie. Donc tu peux faire les commandes pour remettre le jour ou quoi. Ça passera pas au jour suivant ou je sais pas quoi. Puisque dans la vraie vie t'es au même jour. Donc je peux utiliser les contrats. Je pourrais utiliser les contrats externes lorsque j'aurai mon propre camion. Mais actuellement j'ai une autre combine. Alors s'il le faut vraiment je ferai une coupure. Bien sûr une vraie coupure dans la vraie vie. Enfin dans le jeu. Mais j'ai la combine avant de commencer la vidéo. Ce que j'ai fait là du coup. Avant de choisir une mission. Et ben je mets le jour. Je mets midi, tu vois, tout de suite. Et là, à partir de là, je pourrais sélectionner la mission. Et donc, du coup, j'ai commencé à midi et quelques. Donc là, le soleil se couche quand même. Hein. Mais vous avez vu, il y a encore le temps. Et on est bientôt arrivé. Donc voilà pour la petite strat. Et du coup, vous êtes ouvert, hein, vous êtes OK à ce que j'ouvre la console pour cheater et mettre le jour. Mais de manière RP, c'est-à-dire que je m'arrêterai sur le côté. Je dirais, voilà, je fais ma coupure. Et en fait, tac, 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 je fais la commande. Ça me tenait vraiment à cœur de vous demander et de vous le faire savoir parce que j'ai pas envie de vous prendre pour des jambons. Enfin vous voyez j'ai pas envie de faire genre voilà je veux pas mentir tu vois. Je veux faire ça RP. Qu'est-ce que c'est que ce carrefour, je ne comprends rien. Je comprends rien, je passe et c'est tout. Oh, magnifique. Bref je veux pas vous prendre pour des jambons. Et donc voilà je préfère que vous soyez au courant que si je m'arrête sur le côté et que je fais genre que je fais une coupure, en réalité c'est pas une vraie coupure dans le jeu. Vous voyez ce que je veux dire. Mais on fait ça de manière RP. Très sympa, hein, un petit motel ici, Slam Pété. Slam Pété,
Pancake and steak. Oh, ça me donne faim. Oh, j'ai envie de manger un hamburger. Voilà. J'ai envie de manger un hamburger, les gars. Oh la vache. Oh, ça va être compliqué là. Ça va être dur de tenir jusqu'à. Puis surtout qu'il n'y aura pas d'hamburger à midi. C'est comme ça, c'est la vie. Oh là, j'ai envie d'aller au Buffalo. Oh putain, c'est vrai que Buffalo maintenant ça va plus être comme avant. Oh, oh là. Quel enfer. Qu'est-ce que c'est que ce panneau là? C'est quoi ce sigle sur le GPS? Aucune idée. Peut-être pour dire que ça monte. Qu'avons-nous là? Station essence. On n'a pas besoin de faire le plein. On traverse un petit lac. On n'a pas fait d'accident, on n'a pas fait d'excès de vitesse hein, jusqu'à présent les amis. Donc voilà, ceux qui disent les défis... Vous êtes encore nombreux à dire défis, respecter le code de la route, machin maximum, pas faire d'infraction. Les gars, vous avez vu, je sais faire. Je sais faire. Là, j'ai fait aucun excès de vitesse. Voilà. C'est pas des vrais défis ça. Et c'est pareil, ceux qui proposent comme défi de rouler en vue extérieure. Alors... Voilà, je peux pas faire ça sur tout un épisode parce que vous allez... ça va vous faire chier de la même façon que moi quoi. C'est-à-dire que c'est fun 5 minutes. Oh putain, il y a un accident. Oh la vache à la gigine. C'est-à-dire que ça va vous faire marrer 5 minutes et moi aussi. Ah, c'est juste un arbre. Enfin, j'espère que c'était juste un arbre. Ça va vous... Voilà, ça va être rigolo 5 minutes, mais tout le long de la vidéo, non. Voilà, à la fin, plus personne va regarder la vidéo. C'est tout à fait normal, vous voyez, regardez, hop, tac. Voilà, si on fait ça toute la vidéo, ça va être terrible. Par contre, je pense qu'on pourra faire ça pour le fun, sur une durée déterminée, bien sûr. Donc oui, en effet, un épisode, on fera le défi, genre durant 5 minutes, on pourra... voilà, on met un chronomètre, et pendant 5 minutes, il faut que je roule, par exemple, en vue extérieure, donc. Et... le mieux possible, ce qui va être très compliqué. Donc ça, je retiens ce défi, évidemment. Princeton découverte. Si vous avez d'autres défis, les amis, n'hésitez pas à les proposer en commentaire au fur et à mesure des vidéos. Évidemment, il n'y a pas de souci. Je retiens les anciens défis, mais voilà, n'hésitez pas à les rappeler à chaque fois en commentaire, comme ça. Bon, déjà, vous savez, ça m'aide pour le référencement, soyons honnêtes. Pareil, je vous prends pas pour des jambons. Je suis pas le genre de mec qui va dire « Hey, dites-moi ce que vous en avez pensé en commentaire, hein, hein, hein. » Je vous le dis, c'est pour le référencement. Il n'empêche que les questions que je vous ai posées, j'attends vraiment vos réponses en commentaire. Notamment sur les pesées, tu vois, ça c'est vraiment quelque chose que je veux savoir. Et vos défis, j'aimerais vraiment que vous me les proposiez, des nouveaux, que vous me les répétiez aussi pour que, pas que j'oublie. Mais voilà, ça aide au référencement, je vais pas vous prendre pour des lapins de 6 semaines comme on dit. Je suis pas ce cancer que tout le monde suit, tu vois ce que je veux dire. Enfin je sais pas, tout le monde, je ne comprends pas sur YouTube comment les gens continuent à prendre pour des cons les gens. Genre c'est normal. Et il y a des gens qui y croient encore. Enfin bon bref, c'était un autre débat, c'était un autre sujet. Moi je ne suis pas ce genre de gars. Je suis transparent, je suis honnête avec vous. Voilà. Quel enfer. Je suis énervé là aujourd'hui. Je suis énervé là, j'ai de la dynamite. Hein. Faut pas venir me faire chier quoi. Mais j'avais le frein moteur depuis tout à l'heure. Enfin le frein moteur. J'en ai marre de dire frein moteur alors que c'est pas le frein moteur, c'est un frein additionnel. Y'en a marre. Petite route là. Ah dommage, on peut pas la prendre, ça aurait été stylé. Hein. Ça aurait été stylé. Là on va y aller tout doucement. Quel plaisir. Oula, attendez, j'aime pas ça. Merci monsieur. C'est bon. On l'a pas touché les gars. Oh putain, en fait je vais me concentrer de ouf. Elle est géniale cette route, mais alors par contre pour le coup, avec une double remorque, c'est pas ce qu'il y a de plus facile hein. Disons le frachema. Et oui, j'aimerais éventuellement faire des convois, je l'ai déjà dit en vidéo, vous me posez la question en commentaire, mais j'aimerais bien faire des convois sur American Truck avec vous les abonnés. Mais pour ça, il faut que vous ayez exactement les mêmes DLC et les mêmes modes que moi, parce que j'ai vraiment envie que ces convois servent à l'avancée de la suite. J'ai pas envie de, comme ce qu'on faisait avant sur Euro Truck, j'ai pas envie de refaire un profil spécial convoi. Voilà, j'ai vraiment envie de continuer sur ce profil, qu'on continue l'exploration des routes, et que ce soit un épisode normal, tu vois. Genre l'épisode 8 par exemple. Je veux vraiment continuer, mais du coup avec cette fois-ci des abonnés exceptionnellement, voilà. Donc faut vraiment avoir les mêmes DLC, les mêmes modes que moi. Donc de toute façon tout est en description. Et c'est pas pour tout de suite hein, j'ai pas encore mon propre camion. Mais très bientôt les gars, si vous êtes chaud, on se fera des petits convois. Voilà. Avec grand plaisir. Oh là là c'est beau. Oh là là c'est beau. Slow, ok slow, slow. Colis, faut y aller slow hein. Et là on va à gauche. Oh la vache. J'aurais dû anticiper ça un petit peu mieux, mais c'est pas grave. Personne qui arrive en face, je peux prendre comme je veux. PHP. C'est en effet la marque que nous transportons. Et paf, la dynamite. Eh frère, est-ce qu'il y en a parmi vous qui ont déjà transporté de la dynamite?
Ou des trucs comme ça. Bah oui, oui, bah non, mais non. Oubliez ma question. Les matières dangereuses, les matières explosives, voilà. Il y en a beaucoup qui transportent ça. Je n'ai rien dit. C'est pas incroyable. Enfin, c'est pas incroyable. Ce que je veux dire, c'est que c'est courant, on va dire, de transporter de la, matière explosive. Faut juste la qualification. Mais en gros, la question que je vais vous poser, c'est est-ce que vous êtes tendu quand vous transportez ce genre de choses? Voilà. Mais du coup, je pense que la réponse, c'est quand même relativement oui. Donc, voilà. Là, on est pas mal, là. On arrive sur la fin de la livraison, le soleil se couche, on a pu profiter pleinement de jour. Donc là, c'est que du bonheur. C'est que du bonheur. America, fuck yeah. Heureusement qu'il n'y a pas de voiture en face. Ça me fait penser à la route de la mort ici. Et comme là, on est dans une entreprise, on est relativement tranquille. C'est pas moi qui bouge le volant comme un attardé, hein. C'est la route, hein, qui fait bouger le volant comme ça, je vous rassure. Alors attendez, parce que là c'est à dire que bon, il faut aller à gauche. Hop. Messieurs, dames, bonsoir. Welcome to BHP. Ok. Dis-moi tout, bon, j'imagine que la manœuvre, voilà. 270 XP, je suis dégoûté, je peux pas la faire, c'est pas grave. Oh, magnifique ça. Oh là, on a de la chance, hein. Alors là, on a de la chance, hein. Franchement. Hop. Paf, dans le mur. Hop. Voilà. Est-ce que je suis pas un petit peu exceptionnel aujourd'hui? Ah non, je suis dégoûté. Ça allait être parfait jusque là, mais j'ai pilé net comme un con. Dommage. Bon, voilà. On l'a bien fait en tout cas. Ah, 2094 miles. 9h16, 69 galions. Hein, enthousiaste niveau 7, magnifique. Regardons, vendeur de camions, on va rigoler, hein. Donc là j'ai $124, je pense pas que j'aurai assez. Donc vous voyez, j'ai découvert Mack, je ne connais pas cette marque. Peterbilt, le classique comme j'appelle. Volvo, le classique aussi. Et donc là, moi, Kenworth, ce qui me fait bander littéralement. Juste ici à Seattle, on va visiter le concessionnaire, évidemment, puisqu'on ne peut pas acheter en ligne, ce qui revient totalement au même. Et on se retrouve avec un camion qu'on peut déjà acheter, et c'est le W900. On peut l'acheter, $115, on en a 124, on peut l'acheter. Voyons voir le suivant, on peut l'acheter aussi, c'est le T680. Et donc ça, c'est le camion de C'est pas sorcier, le W900, c'est ça, hein, si je dis pas de bêtises, hein. Dis-moi, Jamy. On a, on a encore un W, voilà, W900. Lui, je peux pas l'acheter. Trop cher. Donc là, c'est le W900 6x4 day cab. Et là, c'est 6x2. Mais frère, c'est exactement le même camion. C'est absolument le même camion. Ah, autant prendre celui-là. Et franchement, les gars, on l'achète direct, hein. Après, on a celui-là. Mais c'est marrant parce que, vous voyez, ça, c'est très américain, celui-là, par exemple. Là, le T680, lui, tu vois, lui, il fait penser aux États-Unis. Moi, il me fait penser aux États-Unis. Mais il ne m'attire pas. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Lui, je le trouve pas spécialement beau, là, comme ça, avec on dirait un coq, le truc. Vous voyez ce que je veux dire? Il me fait pas bander. Mais il fait très américain. Et donc, plus tu vas dans le cher... Ah oui, c'est celui-là, il me fait kiffer, par contre. Ah bah ouais, W900. Ah ouais, d'accord. Ah, niveau 13. Alors, ça vaudrait peut-être le coup d'attendre un petit peu, quoi. Parce que celui-là, il est quand même très sympa, hein. Studio Sleeper, la cabine. Plutôt que... Oh, ça c'est un bateau ça par contre. Ça c'est des paquebots. Ah ouais, ouais, mais là il faut attendre niveau 20. On n'y est pas encore au niveau 20. Qu'est-ce qu'on fait en vrai? On achète ou on n'achète pas? En vrai, ça nous rapporte plus d'argent, hein, d'avoir notre propre camion, hein. Donc et puis comme on n'a pas encore assez de niveau, ce serait dommage de se priver. Les gars, je vous le dis, on est là pour se faire plaisir avant tout. On est là pour se faire plaisir avant tout. Sachant que niveau customisation, on peut pas encore faire grand chose. Et niveau thune non plus, hein. 115 000, j'en ai 124. On n'a même pas fait de prêt à la banque. Si je fais ça... Ouh. Alors attendez, autant se faire plaisir. Autant se faire plaisir, ça pour la manœuvrabilité c'est parfait, mais ça va me faire chier. Marchandise exceptionnelle. Attendez, ça c'est $2000 de plus. Pour marchandise exceptionnelle, je vois pas en quoi ça change. Ah bah si, mais c'est juste le... 6x2, 6x4. Bon les gars, je vais pas faire genre, je ne sais pas ce que ça change. Mais je vais prendre ça.
pour la marchandise exceptionnelle, c'est plutôt pas mal. Le moteur, en général, on change pas. Je sais que on a... Ah, ça, c'est pour changer le son. Oh, je sais pas c'est de quel mode, mais c'est formidable. Par contre, j'ai pas assez. J'aurais pas assez. Hein. Attendez. 130 000? Ouais, non, j'aurais pas assez. Je suis dégoûté. J'aurais pas assez. Je vais être en faillite. Hein. On va laisser comme ça, mais on se fera très vite plaisir, les amis. Dès qu'on a assez de thunes, on fera des prêts à la banque, vous inquiétez pas. Mais on changera ça juste pour le son. Franchement, ça donne envie. Hein. C'est 50 000 dollars. Oh. Les sons, ça doit être incroyable. Ça doit être incroyable. Donc ça, on va pas toucher. On va pas toucher. Ok. La peinture, j'ai pas envie de dégueulasser. En plus, je pense qu'on aura des DLC ou des mods qui nous permettront d'avoir des belles peintures. Donc on va laisser standard comme ça. Si je fais ça, est-ce que... Ah non, c'est bon, ça nous fait pas payer plus cher, ça, tu vois. Ça nous fait pas payer plus cher. Voilà, le petit bleu plutôt que le gris, en vrai, ça, tu vois, c'est plutôt sympa. Le rouge, il est sympa aussi. Le noir, il est sympa aussi. J'aimerais quand même un petit truc perso, tu vois. Bon, ça, ça coûte trop cher. On va partir sur du rouge. Ou du bleu. On va partir sur du bleu. Vous savez pourquoi? Parce que c'est mon premier camion. Donc on s'en fout. Les autres, ils seront beaucoup plus badass. Ne l'oubliez pas. On va pas dépenser trop d'argent pour l'extérieur. Et puis surtout, bah, c'est pas ça, mais... Je crois que en vrai, on n'a pas de thunes. Enfin, on n'a pas de niveau pour avoir des trucs de ouf sur l'extérieur. En vrai. On va plutôt faire l'intérieur parce que voilà, on a un petit peu des kikous. Des petits kikous. On a déjà le GPS ici, donc ça sert à rien d'en rajouter. Faisons pas les fous. Metal deflector. Nul. Plaque standard. Ouh, attendez, on va mettre ça là ici, j'aime bien. M-colo. Hop, ce sera pas mal. Les rétro dégueux là, j'ai pas envie, même si ça fait très américain. Le petit Red Bull, bien sûr. Ah, ok, je sais pas où il est passé, on va l'enlever. Voilà, je pense que je recustomiserai le Sizzle Mega Pack aussi, du coup. On va le, ouais, on va le customiser, les gars, comme ça on pourra se faire des petits plaisirs. En vrai. Ah, mais oui, il n'y a pas de couchette derrière. Il n'y a pas de couchette. Ah, c'est marrant. Bon, on va partir là-dessus. Le but du jeu, c'est quand même d'avoir notre petit camion. Vous allez me dire, oui, mais ça sert à rien. Oui, mais non. Il est pas beau, machin, ok, mais ça va nous rapporter plus de thunes, ça va nous apporter de la liberté aussi, pouvoir rouler deux jours sans problème. Vous voyez ce que je veux dire? Ça nous apporte que du bénéfice. Donc dans tous les cas, voilà. Comme ça, on va beaucoup plus monter rapidement en termes d'argent, en termes d'XP également. Et voilà. Et c'est pareil pour les aptitudes. Ah, je vous ai pas montré, je me suis donné pas mal d'aptitudes. Vous m'aviez dit en commentaire qu'il vaut mieux privilégier les longues distances que les marchandises grande valeur, machin. Oui, bon, après, chacun fait comme il veut. Il n'empêche que moi, j'aime bien faire les valeurs et tout parce que ça nous permet... Franchement, on s'en fout de faire des longues distances. On peut très bien enchaîner les livraisons. C'est pas le problème. C'est surtout que ben, c'est plutôt sympa d'avoir différents types de transports, d'avoir des trucs un peu plus fragiles. Je sais pas, je trouve ça plus sympa. Il est beau! Il est beau le camion. Bon, c'est pas du coup exactement celui de C'est pas sorcier, je pense. Mais voilà, en tout cas, c'est plutôt pas mal. Ouais, là on va s'éclater. Hein. On va s'éclater, hein. J'aime beaucoup. Hein. Ouais. Je reconnais très bien là le bruit. Sachant qu'il est vanilla là. Il n'a pas été retouché, donc j'ai hâte de voir ce que ça va donner avec le reste. En tout cas, voilà, le petit camion qui fait plaisir. Les amis, j'espère que vous avez kiffé cette vidéo. Je vous montre du coup les aptitudes, ce dont je vous parlais. Voilà, longue distance, marchandise grande valeur, marchandise fragile et marchandise dangereuse. Voilà, j'ai un petit peu équilibré le juste à temps. Rien à foutre, économie de carburant. Rien à foutre. Et puis voilà les amis, n'oubliez pas le petit pouce bleu et on se retrouve très vite pour de prochaines aventures. C'était M'Colo, plein de bisous. Ciao tout le monde.